Les pesticides interdits, l'État est pointé du doigt. Oh. Quand tu manges des carottes, ben les carottes, ils n'ont pas de pesticides. Et ceux-là, ils sont traités. Ben oui. Oui, j'ai planté ben, tout ce qu'il y a là maintenant, c'est moi qui les ai plantés. Ouais. Le noyer était là, avant. Ben. Lui, il n'a plus de 100 ans, celui-là. Il y a surtout beaucoup de pommes. On va en manger tout l'hiver. La réserve. L'écureuil, il fait ça, lui, il fait la réserve. Pourquoi pas nous? Quand tu parles d'écureuil, il y en a deux. Francis, mon frère, était déjà là-bas en région parisienne. Il travaillait à Sartrouville. Puis il m'avait dit, oh, tu peux venir, il y a un boulot pour toi. Et là, j'ai pris passer mon permis de poids lourd et hop, je suis parti, chauffeur d'hiver. Il a raboté les pavés à pavés. Quand tu vois un pavé qui est cassé, tu dis, oh, c'est peut-être bien lui qui l'a cassé. Mais je suis cavalé, hein. C'est vrai que... Côte d'Armor, des loups chez nous. Oh. Maradona, ben oui, c'est lui, là. Il est mort, Maradona. Oh, ils en font tout un cinéma, c'est vrai que c'est un grand footballeur, mais bon, c'est pas la fin du monde quand même. Oui, mais c'est un footballeur. Toi, on n'en parlerait pas, mais. Il a besoin de mourir. Un footballeur, hein. Il a besoin de mourir. Ah, ben, footballeur. Oh. Dans un verger, il y a 36 sortes de pommes. Des pommes douces, des pommes aigres, des pommes amères, des pommes plus ou moins bonnes à faire du site du site. Hein. C'est des variétés différentes. Hein. C'est différent. Ouais. Différentes. Souvent, c'est des petits pommiers que j'ai achetés. J'en avais acheté plein chez Leclerc à Louzière à l'époque. Je plantais ça, et voilà. C'était une manière de... Mais j'aimais bien planter. C'est un plaisir. Tu plantes une arbre, tu le vois pousser, après tu te dis, ah ben c'est moi qui l'ai mis. Hein. C'est un plaisir. C'est la nature. Vous voulez goûter le site? Tu vois, c'est du champagne. Il va peut-être pas être trop frais, c'est. Oh, ben c'est frais dans la tranche. Il a 2 ans, celui-là, déjà. Les premières fois qu'on a fait les lucides, on n'avait pas cette pomme. Hein. Non, on avait été en chercher. C'était une petite folie, ouais. Tout le village, on ramassait les pommes et puis tout ça. Et après, on grillait des châtaignes. Ah oui, puis c'était la fête. Et c'était la fête. Voilà. On a fait les lucides, hein, c'est vrai. Ouais, ça fait des souvenirs, hein. Ah ouais. Le jardin, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien ce... Quand tu mets quelque chose dans le jardin, tu as l'impression qu'il va pousser quelque chose. Quoi. Ça occupe l'esprit, hein, c'est bien. Il y en a combien qui se... Ils sont toute la journée à regarder la télévision, c'est pas ça. C'est un peu ce qu'on fait maintenant, mais... Arrivé à une certaine âge, on laisse glisser un peu quand même. Ah. La télévision, c'est bien, mais ça raconte des bêtises. Ouais. Et toute l'année, Robert est dans le jardin. Et puis les tomates. Il y a les tomates. Oui, les tomates. Mais il faut attendre février. Maintenant, février-mars. Ok, mais pas février-mars, les tomates. Ah, c'est mars. Non. Enfin. Tu les mets au mois de mai, tes tomates. Ah oh, non. Oh, bah, si. Oh, les mets avant. Mars, avril, je crois. Mars. Non, c'est trop tôt. Oui, bon, ben. C'est du jus de pomme, hein? Merci. C'est naturel, hein?
Ah ben c'est oui, étant jeune, on a fait du site sans arrêt, nous. Tout le monde faisait du site ici, hein, étant jeune. Et c'était des grands pressoirs au carré. Ah oui, oui. Étant jeune, on a fait ça, tout le monde en faisait. Il n'y avait pas d'autre boisson autrement. Hein. Il faisait tout ça hein, pendant... Ah oui, dans le temps, il faisait le savon aussi. Tu veux un gâteau, Robert? Oh, non. Tu veux un verre comme ça? Non, non, non. Oh, mais tiens. Elle me pousse au vice. Non, mais je sais que tu aimes bien, alors. Ah ben oui, mais... Le téléphone. Allô? Ça va et toi? Ça va? C'est la frangine, ça. Ah bah oui, on n'a pas le choix. On se rencontre au Bilia, là, c'est la frangine. Moi, j'étais en région parisienne, puis je venais là, puis on s'est rencontrés. Elle avait 19 ans. Moi, j'avais 19 ans. Oui. Il y avait 5 ans de plus. Hein? Non, mais c'est ton beau-frère qui m'avait fait connaître, parce que... Ah oui. Toi, tu ne m'aurais pas trouvé. Ah oui. Oui, d'accord, Marie-France. Allez, à tantôt.